Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler du totémisme, de l'animal totem, de la reconnaissance et réconciliation avec l'instinct. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela me permet de vous transmettre d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens comme mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il de l'animal totem, de la reconnaissance et réconciliation avec l'instinct? Le totémisme est la forme primitive de toute morale et toute religion. Il met en place les règles taboues permettant l'organisation et le fonctionnement de toute société. L'image habituelle que nous en avons est un axe vertical en bois sculpté, placé au centre du lieu de vie de la société primitive. En bois parce que celui-ci symbolise l'expansion et l'ascension des énergies de la terre vers le ciel. Mais en retour, le bois capte ce qui vient du ciel. Ce totem est gravé de symboles correspondant à l'identité ethnique, historique, cosmique de la tribu. Ce sont des commandements clés inhérents à chaque société dans le milieu naturel dans lequel elle vit. Par ces anciens, le ciel ou cosmos ou univers ou monde invisible de nature vibratoire est notre père. Nous en émanons. La terre est notre mère. Nous venons à la vie sur elle et prolongeons, entretenons cette vie parce qu'elle nous donne. Le totem permet ainsi de restituer aux humains leur véritable identité afin qu'ils continuent d'harmoniser le ciel et la terre, faisant que l'un et l'autre se rencontrent. Faire descendre le ciel sur la terre, permettre à la terre de s'élever vers les cieux. Le totem, ici comme décrit, a bien sûr évolué avec les époques. Il a pu être un arbre maître sur un lieu de vie, un menhir ou un groupe de menhirs, une pyramide ou groupe de pyramides, une église, une cathédrale. Tous ont la vocation d'être des antennes cosmotelluriques permettant de capter l'énergie universelle de nature divine ou permettre à la conscience humaine qui sait utiliser ces supports merveilleux de mieux communier avec cette présence divine. Le principal tabou que l'on retrouve dans toutes les sociétés est celui de l'inceste et ou du viol. Outre les traumatismes psycho-cérébraux organiques qui en découlent, sont à considérer les problèmes de dégénérescence de la race provoqués par la consanguinité. Ceci s'observe dans les îles polynésiennes, mais aussi chez beaucoup d'insulaires dont le lieu de vie est forcément restreint. Le totem est aussi un lien parental ou d'adoption avec cet environnement naturel et l'univers. Afin de concrétiser, fiabiliser, affiner ce lien, on attribuait à chacun un animal totem, l'un étant le gardien de l'autre. L'animal allait permettre à l'humain de fiabiliser sa relation à l'instinct, le mettant encore mieux en harmonie avec la nature et le respect qui lui est dû. L'animalité peut alors trouver ses lettres de noblesse et se redéfinir comme une sagesse naturelle se manifestant en nous par la fiabilisation de l'instinct. Écouter son corps au plus profond de la conscience cellulaire qui l'habite. Par exemple, j'ai besoin de repos, je me l'octroie sans avoir à recourir à des stimulants. J'ai besoin de me nourrir, je satisfais ce besoin en veillant à la qualité biologique de mes aliments. J'ai besoin de boire, je veille à la qualité de l'eau. Les principaux besoins qui concernent le corps et qui sont sous contrôle du cerveau reptilien archaïque sont manger, boire, respirer, se reproduire, exprimer de la tendresse en donnant et recevant de l'amour. Les deux sont aussi importants. Se distraire, se sentir en sécurité au sein d'un territoire. Où en sommes-nous réellement par rapport à ceci ? Nous nous éviterons beaucoup de problèmes de santé si nous savons écouter et ressentir nos instincts resacralisés. En effet, à la différence de nous, l'animal vit la réalité. L'humain repousse toujours cette réalité dans une quête inassouvie de perfection, de pouvoir, de possessions diverses
d'absolu. Il veut posséder la terre. L'animal, lui, sait qu'il appartient à la terre. L'humain veut dominer les lois naturelles pour mieux les transgresser. L'animal s'accorde à ces lois pour en cueillir les retombées bienfaitrices. L'humain, toujours en fuite, court après le temps, anticipe le futur. L'animal vit le présent. En laissant le temps venir à lui, il est dans ce temps cyclique, lui faisant côtoyer le temps éternel. Cette animalité, se définissant comme l'expression d'une sagesse naturelle, est aussi expression de cette énergie vitale d'auto-guérison. C'est elle qui mobilisera tous les processus vitaux nécessaires au rétablissement de la santé si on lui en donne la possibilité naturellement. En concordance avec ce que nous transmettent les médecines traditionnelles, tout individu détient en lui une force ou une énergie vitale d'auto-guérison. Par exemple, en cas de grosse fatigue, une nuit de repos nous régénère. Suite à une coupure, ma peau se cicatrise elle-même. On a pu démontrer que 60% des maladies guérissent spontanément si on laisse faire le corps en lui donnant les moyens de mobiliser cette énergie vitale, repos, nourriture, boissons de qualité, paix de l'esprit, etc. Trop de pratiques interventionnistes ou préventives, telles que les vaccins, bloquent cette énergie. L'interventionnisme chirurgical ne devrait être réservé qu'à l'urgence ou aux maladies lourdes. L'essentiel de la médecine traditionnelle est de mobiliser cette animalité guérisseuse en l'accompagnant et en l'aidant dans son œuvre. La grosse difficulté à contacter cette animalité, en plus des modes de vie aberrants contre nature qui sont les nôtres, vient de l'influence judéo-chrétienne et des religions monothéistes. L'Église condamne en effet le rapprochement de l'homme et de l'animal comme étant une confusion entre animalité et bestialité. L'animalité, nous l'avons définie, se met en place durant la petite enfance et l'adolescence. Détentrice de cette force vitale originelle présente dès la naissance, elle est appelée normalement à croître par une juste satisfaction plénifiante des besoins primaires évoqués. L'allaitement, nourriture et boissons saines, tendresse et câlins dispensés à l'enfant, respect de son rythme et de sa croissance, repère sécurisant du lieu de vie ou territoire. Les manques découlant d'une telle inobservance infligeront à cette animalité de réelles blessures émotionnelles, se stockant dans l'inconscient de l'enfant alors en pleine construction. L'animalité deviendra alors bestialité qui, elle, est une compulsion à assouvir les désirs, coûte que coûte, au prix même d'attenter à la vie de son prochain, de conquérir, de voler le territoire d'autrui en y commettant les pires exactions. À noter la manifestation croissante de la pédophilie, même chez les religieux. À force de frustration et de refoulement, cette nature animale va se pervertir. Ce refoulement va provoquer la création et le réveil d'un monstre. Ce sera une étape importante dans le travail personnel de transformation que d'aller rencontrer ces pulsions bestiaires devenues monstrueuses au travers des manques douloureux qui les sous-tendent. Ceci afin de pacifier ces manques douloureux ayant mis en place un moi obscur, empêchant l'élévation et l'évolution vers un moi supérieur. Cette pacification permettra à nos consciences de gagner en lucidité et sérénité afin de discerner entre les désirs et les besoins réels, les premiers étant la conséquence des suivants, quand ceux-ci sont bloqués par des manques. Par exemple, un individu dont la naissance se passe sans très mal ressent sa vie et celle de sa mère mise en jeu. Naturellement, le père choisira la mère. L'enfant ayant survécu ressentira toute sa vie cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête et déploiera ses efforts considérables pour être reconnus par son père et sont transposés. Le monde des hommes est le monde professionnel. Malgré tous les efforts fournis, la blessure de ce traumatisme de naissance sera toujours réactive. Et malgré les différentes reconnaissances obtenues,
cet individu ressentira toujours ce manque, cette frustration douloureuse, le remettant dans un processus cyclique de tentatives de reconnaissance répétées. L'extérieur révélant l'intérieur, il ne pourra jamais combler réellement ses manques. Ceux-ci ne pourront l'être qu'à partir d'un travail personnel de transformation. Nous avons dans cet exemple un besoin légitime de reconnaissance non manifesté à la naissance, devenant une succession de désirs d'accéder à cette reconnaissance sans réel succès. De revenir à nos besoins réels, légitimes et justes va contribuer à une véritable écologie personnelle avec des retombées sur l'écologie planétaire. Exemple, si la conscience de mes besoins de nourriture s'affine, car apaisée de manque réactif, l'ayant conditionné, je vais aller vers une alimentation biologique ressentie comme bénéfique par mes cellules. De ce fait, je vais me détacher des produits trafiqués, frelatés et favoriser ainsi l'agrobiologie pour le bien de notre terre-mère. À l'heure à laquelle les systèmes idéologiques, politiques et économiques ont montré leurs limites et leur impuissance à établir l'harmonie sur Terre, nous avons tous, c'est-à-dire vous et moi, la responsabilité par nos initiatives individuelles de remédier à cette situation. Naturellement, je reste à votre disposition pour un coaching individuel par téléphone. Pour un appel depuis la Suisse, c'est au 0901 650 650 à 2 francs 60 la minute, ou pour des soins, qu'ils soient émotionnels ou karmiques, transgénérationnels, en m'appelant au 079 756 26 50. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.